Ah merde. Je peux réparer. Ouais. Oh, maintenant suffit de retrouver cette caisse de merde. Je veux la caisse. Alors, je crois qu'il y avait une fumigène ou un truc comme ça. Je suis vraiment pas malin, moi. Là, c'est bon, j'ai trouvé. Mais avant, on va aller faire un petit tour de crochetage. Ah non, ça va, ça va du premier coup. Non, c'est plus vers le bas. Encore plus vers le bas. Un peu plus vers le haut. Oh putain, nique ta mère. Oh là, je veux le loot. Et bah voilà, quand il veut. Ah tiens, il y a du café cette fois. Ah, des points de compétences sont utilisés. Cool. Alors, utilise l'attaque des ennemis pour la propulser loin. Quand un ennemi charge, appuyez sur LT, appuyez. Et protéger avec le son ou fixation. Assommez vos ennemis d'une demi-volée tout en courant. Appuyez sur espace pour sauter. Appuyez sur à mi-hauteur pour exécuter l'action. Sauter au-dessus des ennemis. Appuyez sur espace pour courir vers l'ennemi. Voilà. Alors votre coup a du pourcentage des tours d'ennemis au coup de nu. Vous avez trois ennemis avec des armes lancées. Voilà. Ici Crane, je suis sur le point de récupérer une livraison d'antisine. Bien, Crane. Je pense que dès à présent, il est temps de vous intéresser à Rice. Écoutez-moi attentivement. Il y a de grandes chances que Rice soit notre homme. Alors si vous trouvez une livraison qui contient de l'antisine, détruisez-la. Toi? Mais pourquoi? Pour provoquer une interaction avec Rice. Vous pourrez y aller au nom de Brecken, comme ambassadeur en quelque sorte. Mais des civils comptent sur ces flacons. Nous travaillons pour le bien de tous. Ne l'oubliez pas. Jade, je suis au point de livraison. Y a pas d'antisine. Reviens. Merde. Merde! Bon, reviens ici. Et sois prudent. Les horreurs sont sorties, ne les laisse pas te voir. Merde. Ils ont dû m'entendre. C'est pas bien ce que t'as fait. Il fallait pas détruire l'antisine.
Hop là. En fait, c'était quoi les deux autres boîtes argentées qu'il y avait? Peut-être des chips. Enfin bref, c'est pas bien ce que t'as fait, ça va se savoir. Je suis rentré en un seul morceau. Je comprends maintenant ce qu'a dû ressentir Bricken durant sa course de nuit. C'est pas une partie de plaisir. Je dois aller lui faire mon rapport et lui dire que j'ai pas d'antisine. Ça craint de mentir à tout le monde, mais je sais que le GRE travaille pour le bien de tous. Là, acheter. Vraiment, j'ai des plans pour faire un truc sympa. Taser. Attendez, normalement, je peux. Amélioration. Qu'est-ce que je n'aime le moins? Alors, qu'est-ce que je vais changer que je n'utilise le moins? Bon, on va changer le tuyau modifié. Est-ce que je peux fabriquer? C'est avec quoi qu'il faudrait que je le fasse? Ah, j'ai pas encore tout ça, mais bon. Déjà, on va aller voir. On va aller se faire engueuler déjà. Ça craint vraiment d'avoir menti. Bricken, enfin. Je sais qu'on a besoin d'antisine. Mais l'acheter à Raïs, t'es pas sérieux. C'est bon, j'irai, moi. Il me fait pas peur. Pas question, on en a déjà parlé. On n'en a pas parlé. Tu as décidé tout seul. J'irai. Moi, je... Mais tu plaisantes. Ce type-là, Rice, il m'a encore jamais vu. J'ai pas d'ardoise, non? S'il vous plaît, pouvez nous laisser, Crane et moi? T'es sûr d'être prêt pour ça? Faut bien que quelqu'un le fasse, non? Je vais pas argumenter. Rice vit par là-bas. Contente-toi de voir ce que ça nous coûtera. Et reviens en entier. Acheter de l'antisine à Rice. Ah, trop de points de compétence, ma gueule. Alors ça c'est quoi shuriken? Apprenez à fabriquer des shurikens avec 3 minis. Abiration en chaîne de 18%. C'est des plantes pour créer des boosters qui vous permettent de combattre sans vous. Il croit plus vite la ligne. On va utiliser ça. Parce que nous on aime bien craft. Allez c'est parti pour aller voir notre ami Rice. Bricken est maintenant tellement désespéré qu'il est prêt à pactiser avec le diable lui-même, Rice. Et comme je dois découvrir si ce Rice est celui qui a dérobé le fichier secret du GRE, c'est l'occasion rêvée. Ah, ça va pas se passer comme prévu, ma gueule. Lol. Rice, c'est... Crane, tu m'entends? Jade,
Ouais, je te reçois. Il y a un problème ? Non, non, c'est... Écoute, Crane. Ce que... Carte. Tu fais très courageux. Je sais que c'est pour te racheter, parce qu'Amir est mort en te sauvant la vie. C'est le seul moyen. Si Rice nous donne pas d'antizine, les gens vont mourir, non ? J'ai rencontré Amir après l'infection. Je le connaissais pas bien, mais... C'est l'homme le plus honnête que j'ai jamais connu. Mais je veux juste que tu saches que je ne t'en veux pas. Amir connaissait les risques. Et, Crane, j'apprécie ce que tu fais pour nous. Écoute, Jade, on en reparle dès que je suis là avec l'antizine, ok ? Ok. Reviens en un seul morceau, Crane. Bon, en tout cas, ceux qui ont une vision, c'est les gros méchants. C'est les abominations, et ça, c'est les zombies normaux, on s'en bat les steaks. Oula, fais faire gaffe. Oh, je les ai baisés. Bordel ici. A le temps de fouiller. C'est encore loin leur délire là. Ok, Raim, je suis sur place. Fais en sorte qu'ils te voient et sachent qui tu es. N'essaie pas de les avoir par surprise. C'est le meilleur moyen de te prendre une balle. Souhaite-moi bonne chance. Bonne chance, mon frère. T'en auras besoin. Tire pas. Je viens voir Rice. C'est Brecken qui m'envoie. Brecken ? Cet abruti dans sa tour ? Alors il veut quoi, Brecken ? Il veut passer un marché. Quel genre ? Le genre qu'on passe avec Rice, pas avec ses larbins. Ok. Qui passe ? Je sens que ça va être amusant. Ok, cool. Je vais où maintenant pour le voir, cet abruti ? Ah, F frappé, je suis con. On est amis depuis combien de temps, Osman ? Ça fait très longtemps que nous nous connaissons. C'est pour ça que je suis extrêmement surpris que tu m'aies volé. On s'est pas déjà vu. Mais je te donne une chance. C'est simple. La main droite ou la main gauche. Gauche. Tu parlais de ma gauche ou de la tienne ? Toi, tu viens de la tour, ça se voit, qu'est-ce que tu veux ? Je voudrais passer un marché. Un marché ? Pour de l'antizine ? Forcément, les temps sont durs. Et tu offres quoi en échange, Tes services ? Ta loyauté ? Je vais peut-être prendre les deux. Va parler à Karim, c'est l'un des nôtres. Fais ce qu'il te demande. Et Rice donnera peut-être de l'antizine à tes copains. Compris ? Je crois que j'ai pas vraiment le choix. Quelle perspicacité.
Yes, j'ai récupéré une machette. On peut pas prendre un truc, putain. Allez, go, à l'intérieur. J'ai rencontré Rice. Jade a raison, c'est un psychopathe. C'est aussi l'agent qui a doublé le GRE. Et je dois maintenant coopérer avec cet enfoiré. Pas seulement à cause de ma mission, mais parce qu'il stocke des tonnes d'ordizine. Putain de virus. Tu l'as dit, Bouffy. Saleté de Rice. En plus, c'est le mec qui se met torse nu au calme dans sa baraque. Un rebut de la tour. Ah, te voilà. Rice m'avait prévenu de ton arrivée. Je suis Karim. Crane. Un Américain. J'ai un oncle là-bas. Au Texas. Tu viens du Texas? T'es un cow-boy? Je viens de Chicago. Ok, Al Capone. On sera en contact radio permanent. Comme ça, je serai sûr que t'iras là où il faut. Et c'est où exactement? Tu vas escalader les tours d'antenne et allumer des modulateurs d'ondes courtes. La plupart de mes hommes sont trop lents, trop lourds, ou trop bourré pour escalader ces tours sans se tuer. Et si je le fais, j'aurai l'antizine? Ça, c'est entre Rice et toi. Je vais sûrement pas m'engager à sa place. N'échoue pas, c'est tout. Il gère mal les déceptions. Ah ouais... vendre. Parce que dalle à vendre moi. Plan. Sacré temps de chargement. Je viens de rencontrer Karim. C'est un peu l'homme à tout faire de Rice. Son larbin en chef, en gros. Karim m'envoie réparer une antenne pour Rice. J'adore vraiment faire le garçon de course. Sa voix colle pas à sa gueule, je trouve. Cool, ici il y a du matos. Allez, fais péter les clous. Ah, on va voir qu'est-ce qu'il y a dedans. Ah, premier coup, génial. Ah, il y a une amélioration d'armes. Vous savez quoi, on va améliorer l'arme la plus puissante qu'on a. Allô, allô, il y a de la merde dans le tuyau.
Rain. Au rapport. J'ai rencontré Rice. Pas de doute, c'est Suleiman. Ce type est un malade mental. De politicien sans scrupules, il est passé à chef de guerre. Est-il au courant de vos liens avec nous ? Non, il croit que je suis juste un gars de la tour. Il me teste pour voir s'il peut me donner de l'artisine. Bien reçu. Continuez à lui obéir. N'oubliez pas qu'il nous faut ce dossier. Super. Crane, terminé. Attendez, je vais juste allumer ma lampe de chevet. Alors, hop là, c'est bon. Hey, Al Capone, t'es prêt ? Je dois faire quoi exactement ? Les communications radio sont mauvaises dans la zone de quarantaine. Ces modulateurs vont amplifier le signal, et Rice pourra communiquer avec les avant-postes les plus éloignés de la ville. Tout le monde en profitera. Pas seulement Rice. Peut-être, mais un empereur doit gérer son empire. Karim, je suis à la première antenne. S'il n'y a pas de courant, tu vas devoir l'activer. Il y aura un interrupteur dans le petit bâtiment, au pied de l'antenne. Là-bas. Avec un peu de chance, je peux crafter un molotov. Roteur, plan. Voilà. Ah bien sûr, je suis l'abruti de service, hein. J'attire toujours les zombies. Il voulait pas monter. Voilà, qu'est-ce qu'on a ici? Encore un coffre. Putain, c'est vraiment chiant les zombies quand ils gueulent. Oh, petit couteau ici. Yes. Qu'est-ce que je peux fabriquer? Plan, lacérateur, boîte de nuit. Qu'est-ce que j'avais crafté du coup? C'était un taser que je devais avoir crafté, non? Enfin, bref, au pire, on s'en bat les couilles, quoi.
Oh fuck, j'ai activé le générateur. Parce qu'un de ces infectés de mes deux avec les boyaux qui dégueulent vient de me balancer une bière toxique. C'est une bonne raison. Fils de pute. Échappons-nous. Viens, va dedans, connard. Alors, t'es vivant ou pas? Non, oh, putain. Ah. Là, j'ai allumé ce putain de courant. C'était une vraie galère ce truc. Ah. Fuck. Quoi, elle y était? Oh là là. J'en ai marre. Alors voilà. Amélioration d'armes. Alors déjà on va essayer de réparer tout ce bordel. À ce motherfucking tower.
peut vraiment grimper partout dans le jeu. Hein. Même, j'ai même pas besoin de monter à l'échelle limite. Hop là, par-dessus la rambarde. Ouh, par-dessus notre rambarde. Ouh, la rambarde. Ils font exprès de me faire chier comme ça.